Ok. Je suis un boss à plusieurs formes. Allez, salut YouTube et salut à ceux qui viendraient nous rejoindre sur Twitch. On se retrouve pour un live découverte sur Raft, jeu qui m'a été offert par Maner et je le remercie beaucoup pour ça. Des bisous à Maner, plein de bisous. Qu'est-ce que c'est Raft? C'est un jeu de survie, de craft sur un radeau qui commence tout petit au début, hein, un petit radeau de case par deux cases, et en récoltant les débris un peu sur notre chemin, nous allons devoir un petit peu voilà, façonner une embarcation avec toujours plus d'outils, de stockage, d'objets plus ou moins utiles. Pour notre confort, je crois qu'il y a voilà, une gestion de la soif, de la faim et évidemment de notre santé. Voilà, le jeu est actuellement en accès anticipé depuis le 23 mai de cette année. C'est développé par Red Beat Interactive et édité par Axolot Games. Il est dispo sur PC, Mac et Linux, à ma connaissance. Enfin, ou en tout cas, il va sortir sur Mac et Linux si c'est pas fait. Voilà. Mise à jour 1.02 a priori. Jouable en solo ou en multijoueur en coopération. Je sais pas s'il y a du versus par contre. Ça reste à confirmer. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà, les composantes donc multijoueur, survivre tout seul. Le grappin pour attraper les débris, du craft, la construction. Voilà, on va construire une sorte de maison sur notre radeau en fait finalement. De la recherche, de la navigation, du plongeon, de la plongée on va dire plutôt. Et des combats. Voilà, défendez votre radeau des dangers de l'océan. On va découvrir ça pendant 1 heure ou 2 et si le jeu nous wipe, on continuera dessus petit à petit, peut-être en parallèle à Zeldo. Voilà, nous allons commencer un nouveau monde, une nouvelle partie. Je ne connais absolument pas le jeu, j'ai vu quelques streams dessus vite fait du coin de l'œil. Jouer en créatif, santé et ressources illimitées, vous permettant de vous adonner à la construction sans vous soucier de la survie. Un mode facile avec gestion de la faim et de la soif plus simple. Le contenu de l'inventaire est conservé lorsque vous réapparaissez. Mode normal, difficulté moyenne pour les joueurs moyens et difficile, vous ne pourrez pas réapparaître sans l'aide d'un ami. Alors, vu que je joue solo, c'est peut-être le mauvais plan de jouer en difficile. Donc, nous allons jouer en normal. Nom du monde. Voilà. Permettre à des amis de rejoindre la partie. Non, je ne sais pas si c'est modifiable après en cours. Mais pour l'instant, on va faire en solo. Histoire d'apprendre un petit peu par nous-mêmes et de se démerder. C'est parti. Alors, du coup, il n'y a peut-être pas de la musique tout le temps. Donc, si vous voulez que je remonte un petit peu les sons d'ambiance, tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Je le ferai. Il n'y a pas de souci. On entend juste le bruit des vagues. C'est très léger pour moi, donc sûrement encore plus léger pour vous. Voilà. Donc on commence avec le petit grappin finalement. On commence pas sans rien non plus. Et je Ah peux là là là. sauter. Ah, du coup ça a pas retenu mon choix de touche, c'est parfait. Attends, et comment je me déplace du coup? Ah voilà, donc le ZQS ne marche pas. J'ai failli jeter mon crochet à la mer, tout va bien. Du coup on va aller dans les options. contrôle, ça n'a pas dû sauvegarder, peut-être comme j'ai quitté, je ne sais pas. Pourtant j'ai la sensibilité à 1,5. Ah, alors attends. Est-ce que mon clavier serait passé en QWERTY et du coup c'est plus bon? Ah, c'est pas clair. Ah, jeter objet c'est resté Q du coup, donc il y a une touche qui faisait deux fois. Enfin, deux choses différentes, ok. C'était quoi l'autre qui m'avait intrigué en premier lieu? Je ne sais plus. Ok. Apparemment, il y avait juste ça finalement. Ok. Une petite planche. Là du coup est-ce qu'il bouge mon radeau? Ouais il avance, est-ce qu'on sait nager dans ce jeu? A priori oui. Le radeau. Là, déjà. Ah comment je grimpe? Je vais mourir tout de suite. Je me fais déjà aggro par un requin. Comment je grimpe? Ah. Ah bah je peux pas grimper, c'est cool. Ah bah je vais mourir. Attends, est-ce qu'il y a une touche pour. Bah oui, il y a une touche pour sauter normalement. Ah mais ça a gardé shift. Ah bah il s'est bien planqué. Bon, je vais tenir 2 minutes, hein, 100%. Oui, bah ma touche pour sauter non plus, elle s'est pas configurée a priori. J'ai dû faire left shift pour monter. Bah sauter espace, courir left shift. Qu'est-ce que c'est? Faut que je les re...
Alors, à quoi ça sert de mettre des configurations de commande si ça correspond pas à ce qu'on rentre finalement? Je suis pas fou, hein, sauter espace, on est d'accord, hein. Donc si je m'élève shift et courir espace, si je fais espace, ah je saute. Ah d'accord, ok, c'est la petite subtilité du jeu. D'accord. Bon, on commence avec 33% de notre vie, tout va bien. Bah oui, j'avais changé, mais j'avais mis ce qu'il fallait, j'avais pas mis quelque chose qui va pas. Alors que le requin est là, on le voit finalement. Ah, faut que je lance peut-être un peu plus. Ah non, ça passe. Ok, une petite feuille de palmier. Ah, faut que je maintienne le clic pour lancer plus loin, d'accord. Alors que de la musique. Ah, c'est comme Koh-Lanta. Ah, c'est raté. Bon, le truc est beaucoup trop loin maintenant. Bah, il y en a une juste là. Alors, si je fais table, j'ai accès à du craft a priori. Donc, peut-être étendre un peu de place déjà pour poser les choses dessus. Nourriture, eau, autre. Outils, équipement, ressources, navigation, décoration. Ouais. Mon petit carré de terre. Alors, faut peut-être pas trouver des planches pour étendre la plateforme, c'est autre chose. Peut-être un outil pour ça, je ne sais pas. Un marteau, peut-être? Pratique pour agrandir votre ado. Il faudrait des planches et des cordes. Bon, ok. Enfin, peut-être que je sais pas. En vrai, j'ai peut-être pas de quoi le casser, le tonneau. Alors, faut que j'avance, que j'apprenne la jauge de force de ce crochet. Voilà. Du coup, c'est juste du plastique a priori, d'accord. Attends, si je maintiens pour ramener. Ah oui, d'accord, oui, je suis pas obligé de cliquer, cliquer, cliquer. C'est raté. Je peux faire clic droit pour ramener directement, ok. À nouveau du plastique. Vas-y, encore défonce-les. j'ai pas trop réagi au bon moment, si, je crois, oui. Ah, je lance pas assez loin. Faut pas hésiter à lancer trop loin, en fait, puisqu'après on peut ramener. Est-ce que je peux ramener le requin? Je pense pas. Bon, à la limite, je peux faire ça. Ah bah, pff, ça y est, tout seul dedans. Du coup, plastique, feuille de palmier, planche, plastique. Du coup, pour mon marteau, non. Il me manque encore une planche et de la corde. Corde que j'ai pas du tout. Corde que je peux peut-être crafter avec les... palmiers, les herbes, je ne sais pas. Avec les feuilles de palmier. Ok. Alors, on commence à plus me voir, là. On va peut-être remettre un peu de lumière. Voilà. Après avoir fermé les portes de Blizzard, il décide de partir en mer. C'est comme si j'avais pris ma nerf. J'ai hissé la grand voile. Ah, ma vie remonte toute seule. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai pas besoin déjà de crafter des kits de soins. Ah, alors qu'une île droit devant. Mais le problème, c'est que mon radeau, il va peut-être pas forcément s'arrêter si je m'y arrête. Marteau. Ah, il manque encore une corde. Il faut des feuilles de palmier ou des choses qui pourraient contenir des cordes. Mais le requin, jamais il me lâche. Hein. Planche plastique, ok. Ça, c'est quoi? C'est du plastique, ça? Ouais. Je ramène de la viande, je ramène le poisson. Ah, feuille en vue. Même deux feuilles en vue. Ouais, trop loin celle-là. J'avais vu Gus et Porto y jouer, et puis peut-être Gigas à un moment aussi. Ah, il m'attaque. Est-ce que je peux faire quelque chose? A priori non. Je peux pas le taper avec la planche. Non, bon bah il bouffe un carré et... et démerde-toi avec 3. Va falloir se grouiller à faire des cordes. Voilà. Donc après j'imagine qu'il va me falloir du bois pour... du bois et du plastique. Ok, bon bah je refais déjà celui qui m'a pété.
Et il me faut du bois pour agrandir encore plus. Sous le vent. Et oui, t'es en vue, mais mon radeau, je crois qu'il va pas, il va pas s'arrêter si je m'arrête. C'est ce que je crains. Puis si je descends, il y a le requin, il va me bouffer. C'est surtout ça le problème, je crois. Je pense que le requin m'aura bouffé avant que j'atteigne un radeau. Je vais chercher les planches les plus éloignées, évidemment. Est-ce que je peux gratter de la terre, au moins? Non. Oh, si je peux ramener quelque chose de l'île comme ça, au pif. Là, je ramène l'arbre. Ah, je tire, mais rien ne vient. Bon. Apparemment, non. Ok. Le tonneau, il me semble un peu loin. Ah, alors qu'il y a un autre radeau là-bas. Bon, il nous faut du plastique aussi. J'ai pas réussi. Voilà. Je le prends à la main, c'est plus simple. Alors que mon crochet s'use un petit à petit. Est-ce qu'il y aura de l'eau dans ces bidons là un jour ou... Enfin, si c'est des bidons d'huile ou d'essence, j'imagine que non, donc juste du plastique. Il faudrait que j'éteigne ma plateforme un jour là. Ça me semble un peu trop loin. Non. Non. Bonjour monsieur. Ah bon, au moins la feuille. Ah bah voilà. Le gros tonneau. Voilà. C'est le tonneau qui vient crocher et pas l'inverse. Ah, j'ai eu de la betterave crue, tiens. Dans le tonneau, j'imagine. Alors que le chien. Ah, t'es. Bon, je crois que j'ai beaucoup de plastique, mais il faudrait plus de bois en fait. Maintenir pour afficher plus de pièces. Ah. Les poteaux, si on veut faire Koh-Lantaï, on sait jamais. Des murs. Des clôtures. Des escaliers. Et réparer... Réparer les trucs déjà cassés, d'accord. Bon, déjà des fondations, hein. Bon, si on se fait déjà un petit 3x3, c'est déjà un début. Alors que je n'ai presque plus de durabilité sur le crochet. Il est toujours là le requin? Ah non, il est parti un petit peu plus loin. Mais pas trop. Je ramasse que ce qu'il y a devant moi finalement, j'ai un crochet mais je ramasse ce que je pourrais ramasser à la main finalement. Ce qui est pas très worth it. Un crochet en plastique. Ah, il faut une planche et deux plastiques, ça va. Bon, en même temps, j'ai juste une planche et trois plastiques. Et direct une nouvelle île. Et oui. Mais trop loin. Je vais essayer de ramasser quand même un peu les trucs devant. Est-ce que je peux choper plusieurs trucs à la fois? Ah oui. Je peux. Je vais peut-être prévoir un deuxième crochet au cas où je fasse pas gaffe. Voilà. Ah, ça se trouve, on pouvait le réparer. Ok. Sors ce crochet derrière toi, tu as les objets qui s'y amassent. Genre là-bas? Ouais, mais c'est peut-être plus rapide de les ramasser comme ça, hein, par un... J'imagine. Le tonneau! Des pommes de terre. Je commence à avoir soif. Gobelet vide. Peut-être rempli d'eau. Ouais, mais faut pas que je boive l'eau de la mer, j'imagine. Grille de cuisson. Simple purificateur simple permet de purifier un gobelet d'eau de mer et d'en faire pousser l'eau douce. Et d'en faire de l'eau douce nécessite de brûler les planches. Ah! Bon, on pourrait partir sur ça. Il faudrait des planches et du plastique. Et pareil pour le gobelet, du plastique. Ça va être trop loin. Ouais. Ah, il m'en bouffe. Est-ce que je peux lui mettre des coups de marteau? Non, a priori non, c'est pas fait pour ça. Je vais peut-être me faire une hache ou une lance. M'entailler, détacher les choses. Un excellent outil pour donner des coups. Ouais, faut que je me fasse une lance en fait. Il me faut des planches et des cordes.
Alors que le soleil se couche. Que les Teletubbies disent au revoir. Le plastique, c'est fantastique. Et j'aurais peut-être utilisé celui-là, d'ailleurs. Il manque encore une planche et une corde. Voilà, on aura de quoi repousser le requin si jamais il nous fait chier. Ok. Alors qu'on a un peu soif. Et salut Mathieu, comment ça va? Le contre-courant, puisque tu peux accumuler les trouvailles. Tu peux pousser de l'eau, bah oui. On dirait que tu le caresses avec ton marteau. Attention, la nuit, les zombies courent. Ah oui, c'est vrai. Alors attends, est-ce que je peux déplacer? Voilà. On va faire ça comme ça. Taper. Enfin, planter surtout. Bon, on va se réintéresser à notre purificateur d'eau. Il manque 3 planches et 2 plastiques. Il me manque 2 planches et 1 plastique. Ah, je commence à avoir beaucoup soif. Bon, est-ce que je me tente de boire un peu de l'eau de mer? Je suis pas sûr que ça m'hydrate bien, ça. De toute façon, il me faudra le gobelet pour... Ça coûte rien d'essayer. Il me faudra le gobelet pour remplir d'eau de mer. Boire. Je sens que je vais le regretter. Ah, parfait, ça m'a déshydraté. Incroyable. C'était le meilleur plan que j'ai eu. Il me faudrait une planche et deux plastiques avant de décéder. Ça me semble un peu loin. Non. Le décès est imminent. Ah, je ramène tout. Ah non, même pas. C'est trop lourd de ramener un tonneau et 20 planches. A priori. L'inventaire, voilà. Il me manque deux plastiques. Le prochain plastique est un petit peu loin alors que je commence à plus rien y voir. RIP. les zombies marchent au fond de l'eau. Non, fais pas ça. Ça paraît assez évident que le sel allait te rendre encore plus assoiffé. Ouais, mais il y a de l'eau dans le sel. Dans le soleil, il y a aussi de l'eau. Du plastoc, je crois qu'il m'en manque un. Alors que j'ai plus qu'un pixel d'eau. Ouais, il manque juste un plastoc. Faut que je désassemble mon gobelet. Je suis en train de penser. Est-ce qu'il y a de l'eau dans la betterave crue? Non. Il semblerait que non. Ah, et le tonneau. Le tonneau qui dépasse du radeau. Fabriqué. Là, c'est planche. Ah, des succès. On lira après. Hein. Remplir d'eau de mer. Placer le gobelet d'eau de mer. Ah, j'ai des pommes de terre. Oui, c'est vrai. Comment je vois que c'est ok? Retirer. Une patte. Quoique, il met une petite interaction longue comme si tu voulais dire « Ah, vous êtes sûr ?» Vous êtes sûr de vouloir le retirer maintenant? Ah non, ça va finir là, d'accord. Ok, boire. Non, qu'est-ce que j'ai bu? Remplir d'eau douce. Je sais pas ce que j'ai fait. Il restait de l'eau salée? Je sais pas clair. Boire. Ah! Par de là, salaud! Rends-moi mon bois! Non, clic droit.
85% de santé. Un gobelet rempli d'eau de mer. Placez le gobelet. Ah oui, placez le gobelet. Oui, la boire. Non, bah non, il n'y a pas à boire parce que... Ouais, ok. Ok. Il faudrait que je mange un peu. Il faudrait éventuellement que je fasse pousser les choses. Plutôt que de tout manger au fur et à mesure, permet de faire pousser des plantes. Par exemple, il faudrait des planches et des cordes. 1, 2, 3. Et maintenant, il manque des planches. Attendez que je reprenne un peu le fil. J'avoue, manger des légumes, ça donne un peu d'eau, mais apparemment, non. Collision 10 sur 10, ouais, c'est vrai. Je pense que l'eau s'évapore dans la feuille. Ouais, c'était ça, en fait. C'est pour ça que j'étais dans la panique. Je dis retirer. Est-ce que je retire? Est-ce que je retire pas? Est-ce que je retire? Est-ce que je retire pas? Mais en fait, il y avait voilà, la petite feuille qui permet de récupérer l'eau condensée et qui finit dans ce gobelet-là. Alors, il me faut surtout des planches, là. Ok. Ah, il est trop loin. Ah, merde. Je vais le louper 100%. Non, c'est bon. Récepteur d'autres pommes de terre crues. Peut-être moyen de les cuisiner d'ailleurs, ces patates. Je voulais faire quoi le truc pour les faire pousser, ouais. Attends, je vais refaire un peu de la plateforme là parce que ça s'est un peu réduit récemment. Hein? Ah mais non, c'est la réparation ça. Attends. Ah voilà, j'étais pas sur les fondations. Ouais, il me faudra du plastique si j'en veux plus. Ok. Je m'absente 5 minutes et ça part en steak déjà. Arrêtez, il faut surtout pas faire ça. L'eau distillée, c'est pas buvable, je crois. Ah? Peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est tout rouge? Ah, c'est le soleil. Ah! Une boule de feu incandescente! C'est affreux! Ah, nickel. Alors, les plans, faut que je clique dessus. À utiliser sur l'établi, d'accord. Ça, ça prend pas comme ça, ok. Du coup, j'ai fait mon truc à patates, c'est ça, ouais. Ah oui, parce qu'il me reste un peu d'eau de mer, en fait, c'est ça. Ça se trouve, à chaque fois, je remplis mon eau avec l'eau de mer qui a... J'ai à moitié d'eau, d'eau pure et d'eau de mer à la fois dans le truc. Non, pourtant, là, ça me met qu'il n'y a rien dedans. Tu iras ici. Plantation. Bien. j'ai 5 patates. Eau fraîche requise. Ah! Grille de cuisson simple. Il me faut 4 planches. Un gobelet. Arrosé, ok. Ça me semble un peu loin. Ah, quoique, ça passe. Ah, seulement une planche. Non. Ah, quoique, c'était pas loin. Quoique, là, il y a un tonneau. Ah, finalement, dans les tonneaux, il n'y a qu'une planche à chaque fois, c'est un peu nul. Tu pourrais dire qu'il y a moult bois, mais non. Ok. Voilà,
la placer là. Je commence à avoir un petit peu faim, ça s'entend. C'est pire que MGS3. je vais mettre une patate. Non, il faut encore que je mette des planches, je crois. Ah, alors que ça bouffe mon radeau. Partez d'ici, s'il vous plaît. Allez manger ailleurs. Merci. Je suis en train de grimper sur mes trucs tellement j'en ai... que tellement j'ai pas de place. Faut que je sois sur les planches pour qu'il me propose de les incorporer. Retirer. Bah c'est bon, j'en ai assez. Juste à mettre ma patate en fait. Ah bah oui. Ok. Bon ça pour faire le feu c'est pas compliqué. Hein. C'est... Mange. Bah oui ça vient. Allez je fuis, on spamme mon chat. Ok. Pas de soucis. Mange une patate. C'est bon, voilà, faut attendre que ça cuise. Tu peux pas pêcher le poisson, tu vas crever de faim. Il y a un gros poisson là, mais je lui mets des coups, mais apparemment... Il veut pas. Est-ce que ça va me prévenir quand la patate est cuite ou c'est moi qui dois repérer? Bah retirer à nouveau, donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Le feu va s'arrêter de lui-même. Les petites feuilles. Ah, bah voilà, ok, ça s'arrête de cuire tout seul. Et voilà, une patate cuite. La patate chaude. Ah, incroyable. Tant de... d'énergie retrouvée. Non, c'est pas prêt, a priori. On va lancer une autre patate en cuisson. Par contre, jamais je dois remettre des planches là-dedans. Si, peut-être là. Dès maintenant. Ouais, faut que je replace des planches. J'en ai 5. Ah bah je pouvais, j'avais pas besoin de les mettre dans l'inventaire d'ailleurs. Ok. Mange. Oh mais ce backseat. Mange des patates. Mange une patate. Ensuite je vais élever des dinos, des bisous. Des bisous Mathieu, à très bientôt, merci d'être passé. Je vais peut-être réparer un petit peu. Là, ça met 45% de santé, mais je suis obligé de passer par réparer a priori. Non, a priori, c'est bon, faut pas des planches. Ah, par contre, je paye une planche pour réparer un truc. Ouais, mais je passe pas de plastique ou des trucs comme ça, j'imagine. Oui, d'ailleurs, il y a parquet, sol surélevé, fondation armée. Ah, ça doit être plus résistant, j'imagine. Ok, une patate. Une patate. Et je crois que j'ai plus de patate. Ah, j'ai un radis. Peut-être cuit ou planté. Eh bien... faisons cuire. Là, ça, a priori, c'est pas fini. Sinon, ça me dirait pas retirer. On va boire un petit peu d'eau. Attends, j'ai bu quoi là? J'ai encore bu la mauvaise eau, non? Pas clair. Ah, faut que je remette des planches, sinon ça cuit pas. Ah, plein de tonneaux qui partent. Cuit petit radis. Même qui murmurait à l'oreille des radis. Et oui, car les radis ont des oreilles. Oh, j'ai pas le temps. Pas le temps que ça vienne jusqu'à moi, je loot. Alors qu'on a tellement de feuilles de palmier de plastique, enfin, peut-être que je me calme et que je ramasse un peu autre chose. Encore que le plastique... c'est fantastique. Ah, salaud. Fuis. Ah, récolté. Récolté.
récolter. Du coup, on en a une. On en a deux pour une. On replante. On récupère l'eau. C'est quoi que j'ai dedans? Je peux savoir? Gobelet d'eau de mer. Ah bah non. Ah. Il suffit. Dans l'œil. Dans l'œil. Bon, on va le laisser à 80%. Ma betterave, elle a cuite, là. Ouais. On va mettre une patate. Et on va remettre des planches. On va se nourrir un peu mieux, là. On va mettre deux trucs de cuisson. Ah, une betterave. C'est replanté, mais il faut que j'arrose. Le problème, c'est que ça dit jamais ce que c'est dedans. Faut aller voir dans l'inventaire. Bah, l'eau douce, elle a l'air plus bleue. Après, est-ce que je peux arroser l'eau de mer? Peut-être pas. Des fois, je crois que je dois garder le gobelet dans les mains et je dois misclick quelque part et du coup, ça me le remplit d'eau de mer. Sans que je m'en rende compte. Mais je m'affame plus vite que je me nourris, hein. Je vais faire que de ça, je vais jamais me presser, je vais faire qu'à bouffer et à boire jusqu'à la fin de mes jours. Ah, non. Oui, bah voilà, comme ça elles sont sans babar. C'est parfait. Je replace des planches, histoire qu'il y ait toujours full stock dedans. Ah, presque. J'ai pas passé loin du combo. Bon, je veux un peu de place quand même. J'en ai marre de me sortir un peu les trois, voilà. Là, on va pouvoir envisager de faire d'autres outillages. Est-ce qu'on a de l'eau? On a de la bouffe? On a un petit jardin? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de beau maintenant? Bah là, nourriture et eau, on a fait tout ce qu'on pouvait. Peut-être l'atelier parce qu'on peut avoir des crafts, je crois. Ah, lit simple, ça sert à quoi? Permet de dormir la nuit et de remettre sur pied vos amis immobilisés. Vous obtiendrez davantage de santé en réapparaissant dans un lit. D'accord. Ouais, mais pendant la nuit, est-ce qu'on se fait pas attaquer par le requin? Finalement. Ah! En tout cas, j'ai plus de santé quand je décède, a priori. Ah. Ça combotte. Qu'est-ce qui manquerait pour faire des lits? Des clous, mais les clous, je sais pas faire. Il faut... la ferraille. Ah, la ferraille, j'avais pas tant que ça. J'avais trouvé où dans les... en démantelant les tonneaux. En fait, je vais faire une plateforme hyper large pour tout choper. Peut-être faire l'établi d'abord. Hein. Ah bah, il faut de la ferraille aussi. Non, on l'entend pas, hein. On entend juste que ça gratte, mais... il fait pas cuit-cuit-cuit quand on l'a pas vu, quoi. Faut que je mange. Ça me nourrit tout juste, hein. On a un radeau là-bas. Petit stockage. Bon, pour l'instant, l'inventaire est pas trop plein. Il me faut des planches, hein. Qu'est-ce que je peux faire d'autre sinon? Ah, une pagaie.
Il n'y a pas un requin. Ah oui, mais ouais. Non, c'est très loin de moi. J'ai un œil sur les plantations. Ah, une encre jetable, ça. Ah, hein? Peut-être utiliser qu'une seule fois, c'est un début. Ah, par contre, il me faudrait plus de pierres. D'accord. Comme ça, on pourrait débarquer sur une île et. Et fouiller un petit peu ça. Alors que la nuit, c'est ça? Ah, il me fait peur, le salaud. Les îles, oh oui. Je leur mets à fond. Bon, il me faut du bois. Hein. Ah, et de l'éclairage aussi, ça serait bien. Ça serait pas trop. Les patates, je pensais que c'était nourrissant, mais faut voir que non. Hein. Je l'ai bu. Débilos. Ça éclaire tout juste, hein. Il y a du feu mais ça éclaire pas. C'est du feu qui chauffe seulement. J'ai pas appris la recette pour faire le feu qui éclaire. Je vais prendre l'apéro avec les vieux, je reviens tantôt. Ok bah tout à l'heure, Partline. Ah, la musique est juste forte chez moi en fait. Et peut-être t'évites de mourir, alors un peu de respect. Respecte les patates. Bon, faut que je les arrose en tout cas. Ah, des planches de la ferraille, de la pierre. Je vais peut-être me faire une encre jetable, comme ça pour la prochaine île on aura ce qu'il faut. On sera déjà paré à s'y arrêter. Comme ça on va construire le reste en attendant. Peut-être un appât requin aussi pour justement... Pour justement qu'ils viennent pas nous faire chier pendant qu'on traverse pour aller jusqu'à l'île, si on n'est pas dessus. Du coup, il me faut des cordes. Je la mets là, tout près, au bout de la barre. Ah, l'oiseau. Donc là, arroser, voilà. On va faire l'établi maintenant. Il me faut 14 planches. Eh bien, il en faut du bois, hein. Peut-être que je me fasse une hache, comme ça, si j'arrive à avoir une île et qu'il y a des arbres dessus, bah peut-être que j'aurai justement moult bois. Faudra que je me refasse une lance aussi, elle est presque morte, celle que j'ai. Ah merde. Ah, trois planches enfin. Enfin un tonneau qui donne beaucoup de planches. Alors que la mer s'agite, j'ai l'impression. Je suis pas rassuré.
Ah bah voilà des planches. Et les cordes. Alors qu'une île qui est beaucoup trop loin là-bas. Oulala, ça y est, le syndrome Sea of Thieves, ça bouge trop, ça tangue. Oulala. Et plante-moi ce gros poisson. Est-ce que ça meurt un jour? C'est plus le temps que je lui mets des coups. Il doit manger entre chaque attaque. Peut-être que je garde mon gobelet. Peut tarder à avoir besoin d'un nouveau crochet aussi. Ah, on peut, il y a une canne à pêche aussi. Hein? Ok, tu me diras ce que c'est le spécial. Ce très matin et ce midi, oui. Je mange une pasta box. Bon, des fois je fais un repas complet. Je fais un repas complet, tu me fais manger une pizza derrière. Faut pas voir le problème. Et Erwan gagne des niveaux d'évolution. Bienvenue à toi sur la chaîne. Moult bisous. N'hésite pas à faire un petit coucou sur le chat. Du coup, Manière commence à perdre ses points de vie. Mais bon, il y a encore de quoi faire. Et l'oiseau que j'entends pas. Ah oui, elle est cuite, oui. On n'aurait pas dit, mais elle est bien cuite. Du coup, j'ai pas d'eau qui boue. Ah oui, parce que j'avais pas mon gobelet. Ah, elles sont prêtes là. Ah non, même pas. Respecte les patates. Ah, mais j'en ai 3 des cuites. Forcément, je les stockais dans mon inventaire au lieu de les bouffer. Voilà, voilà, ça remonte. Je suis rassuré. J'ai l'impression qu'il y a une compétence de loot maintenant, c'est peut-être pour ça que je gagne plus de planches sur les tonneaux. J'aurais dû attendre, je crois. Ah, j'ai plus de patates crues. Oh, voilà, j'en ai. J'ai des stacks de vin déjà de plastique. Alors que ça tangue un peu. Le gobelet. Ok. Bon, du coup, pas d'île en vue pour l'instant. Et personne devient encore plus fort. Bienvenue à toi sur la chaîne. Merci beaucoup pour le follow. Moult bisous. Oui, parfois il arrive que personne ne devienne plus fort. Faut s'entraîner plus. Allez, les betteraves.
Ah, faut que je prenne mon gobelet. Je vais y arriver un jour. Hein. Je vais avoir les réflexes. La pomme? Ouais. Ah, oui. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai, de la pomme. De la pomme de Savoie. C'est pas très connu. Non, merci. Un petit burger à la pomme. À la pomme. De la fameuse pomme de Savoie, et oui. Les pommiers des montagnes, évidemment. C'était pas mal, ça. Petit burger à la pomme. Pas n'importe quelle pomme. Un radeau au loin. Bon, est-ce que j'ai des planches avec tout ce que je ramasse là? Ah, j'en ai 10. M'attendais à plus. Peut-être faire une pagaie. Non, je voulais faire un atelier à la base. Un établi. Mais après, c'est pour faire quoi? Une antenne et un récepteur. C'est peut-être, ça vient peut-être après, ça, finalement. On va faire une pagaie comme ça. Si jamais je vois une île, je pourrais peut-être tenter de pagayer jusqu'à elle. Ouais, on va faire la pagaie. Bah non, parce que je... Allez, je crois que c'était moi qui avais mal compris. Non, c'est moi, j'ai pomme de Savoie. Parce... pomme avec. Bon, dans l'océan infini, c'est dur à voir si vraiment je me décale. Mais quand tu auras une île, je vais essayer d'aller jusqu'au radeau. Je vais jamais y arriver. Laisse mes légumes tranquilles. Je vais peut-être rajouter des planches derrière parce que... ouais, elle est un peu à cheval sur les deux, donc si cette planche elle pète, je pense que le jardin aussi, donc on va mettre des planches derrière. On va agrandir un petit peu. Déjà. Bon bah, au revoir radeau, on te verra pas. oui. Et on va rajouter des plateformes derrière. Autant du plastique, on en a plein, mais les planches... ça nous manque. On va faire pousser des arbres sur le radeau. On va trouver des graines de bouleau. Ah bah voilà, 3 planches. Il y a quelqu'un sur ce radeau en fait. Je sais pas s'il y a des PNJ dans le jeu en fait. Parce que je vois un coffre en tout cas, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite dessus? On sait pas trop. Il y a un rideau, on voit pas trop. C'est peut-être plus une voile qu'un rideau d'ailleurs. Un rideau de douche. Peut-être qu'il est prince à douche le monsieur. La dame, on ne sait jamais. Là, par contre, ça met 20 ans pour remplir sa barre de faim et de soif. Comment ça, je suis pas efficace? Comment ça, faut que je joue mieux? Je m'étais refait un crochet du coup. Non, même pas, jamais. Ah, j'entends l'oiseau. Non. Je te vois. Vous avez attrapé une volaille. Le plastique, c'est fantastique. Des tonneaux, des tonneaux. On veut des tonneaux. Te. Ah, ma barre d'hydratation est presque remplie, après 20 heures de jeu. oui, placer le gobelet. Il n'y aura plus qu'à gérer la faim après. Et je pourrais m'adonner à d'autres activités, comme ramer. Ou construire des choses.
Ah, à casser. Je farm des planches comme Minecraft, on coupe du bois d'une nouvelle façon, d'une façon innovante. C'est des jeux toujours meilleurs, toujours mieux. Ah, je me suis. J'ai trop bu. Je suis surhydraté. C'est un peu Minecraft la musique, hein. Et du coup, j'ai bu et j'ai plus d'eau pour hydrater mes plantes. Ah mais j'ai des radis, enfin des radis, des betteraves. Ok. Je vais finir peut-être mon petit rectangle, je vais peut-être aussi pareil entourer le point cuisson. Que vous trouvez que le jeu est assez généreux en musique, on laisse comme ça, ou on part sur une compile en parallèle et on coupe la musique du jeu? Ou est-ce que la musique est suffisamment présente pour vous? Moi perso ça me convient. Bon je finis à mon carré hein. Ah! Oh j'ai plus de plastique tiens. Ah, vite, ramène. Ah, il commence à avoir un peu des cicatrices partout. Je crois qu'avant, il était un peu plus joli que ça, le requin. Il semblait moins usagé. Là, il va me manquer un plastique, du coup, vu que j'ai utilisé pour réparer ça. Ouais. On compile Beyoncé. Non. Je suis revenu à temps pour ne pas te laisser poser une question dans le vide. Ah, incroyable. Merci. Ok, ça c'est... J'ai toujours pas arrosé ça. Après, on va se plaindre qu'on n'arrive pas à se rassasier. J'ai mis là-dedans, je l'ai pas bu, oui. Il faut que je fasse faire quelque chose. Alors que notre barre de faim est à moitié remplie, c'est beau. Alors que je vois une île au loin, très très loin. Je sais pas si vous la voyez. Ah bah regardez, vous la voyez mieux dans le coin de l'écran finalement. En regardant directement, c'est comme plein de jeux en fait. Ah bah ça y est là, on peut, regardez, je peux faire mon petit footing du matin, j'ai assez de place. Je peux même sprinter. Oh là là. Vous pouvez pas faire ça au début, hein. Quel progrès. Je peux courir après les planches. Bon, on va faire notre établi du coup, je pense. On a des outils qui sont en état à peu près correct. Faut pas se faire surprendre suite à une rupture. Ah, récolteur débutant, j'ai dû récolter sans objet. J'ai débloqué 20 000 succès, j'en ai loupé plein. C'est comme dans la vraie vie aussi. Sinon, oui, ça va la musique, ça fait penser à Minecraft. Ok. Oui, c'est comme dans la vraie vie, il n'y a pas de la musique tout le temps. Il qui mélange tout. Enfin, l'île, ça a l'air d'être juste un petit rocher. Alors, sauf s'il y a une distance d'affichage et que des arbres vont pousser dedans quand on se sera rapproché. On sera déçu parce que du coup, on se sera pas rapproché. À voir. Ah oui, la fin remonte progressivement d'ailleurs. On voit que ça met un petit temps. Est-ce qu'on part sur l'établi du coup? Ah, et la canne à pêche, mais la canne à pêche, je pêche quoi, le requin?
le poisson. Ah, ça nourrira peut-être plus le poisson d'ailleurs. Oui, donc établi. Je le veux ici. Oh putain, c'est grand. On va tout coller, hein. Placer l'objet dans l'emplacement pour l'étudier. Genre ça? Étudier. Ok. Antenne, récepteur. Ok. J'ai des batteries, boulons, circuit imprimé, charnière. Là, c'est chiant pour descendre. Ah, vas-y. Ouais, il y a tellement de choses. Mais attends, est-ce que ça, c'est tout ce que je peux étudier ou est-ce que c'est ce que je connais déjà? Parce que ça fait beaucoup quand même de base. Une table. C'est pas clair. Est-ce que j'ai pas fait une connerie en plaçant ça ici? Je peux pas les bouger une fois posées. Bah, je peux les retirer et les replacer, j'imagine. J'imagine que c'est ça l'idée. Je m'en fasse un peu d'eau là. Parce que là, l'antenne de récepteur, je sais pas où ça finit, mais... Batterie, boulon, circuit imprimé, charnière. Bouteille d'oxygène, palme, bouteille vide. Grille de cuisson avancée, purificateur avancé. Carré de terre moyen, grand carré de terre. Épouvantail, encre attachée. Ah, si, récepteur. Permet de capter les signaux proches. Fonctionne avec le récepteur, ok, d'accord. Le hamac. Des nids d'oiseaux. D'accord, on peut attirer les mouettes, c'est parfait. Une fonderie, un fil de récupération. Plein de choses. Mais du coup, il faut faire quoi? C'est genre, je les place... genre, je vais prendre un truc pas trop précieux, genre une feuille. Ou une corde. Est-ce que je peux... Ah, non. Voilà. Alors, peut-être qu'il faut d'abord étudier le plan et après... Oh! Ah! Bah merde, alors. Ah, non. Alors, soit on peut pas, soit c'est paumé. Ah, je peux peut-être en faire quelque chose, mais bon, je voulais pas abandonner le radeau. Ah, mais du coup, il n'y avait pas de requin. Potentiellement, il n'y en avait pas d'autres. Quoique. Non, c'est les vagues. Je sais pas si je pouvais faire quelque chose de la carcasse, en fait. Ah non, le requin, il va bouffer les murets à la place. Hein. Tu as tué Bob le requin. Ouais, ça faisait un moment qu'il m'embêtait. Hein. Je lui dis, faut qu'on en finisse. Je replante des patates. Je récupère l'eau. Je la mets dans le carré. Ça, ça a bien baissé mes barres, là, du coup. Ça, c'est, j'ai fait autre chose 2 minutes et ça y est. La faim, la soif, l'angoisse. Ah, fallait peut-être pas que je mange les deux d'un coup. Parce que là, j'ai l'impression que ça n'a pas monté plus d'avoir mangé deux trucs. On va voir si j'étudie la corde. Ah ouais. Faut que j'étudie chacun des ingrédients pour trouver le produit final, c'est ça? Attends, si est-ce que ça étudie les 6 si j'en place 6? Voilà, et du coup je peux apprendre le tapis. Pour éviter les écharpes. Sérieux. Est-ce que cet objet a vraiment une utilité? Ah mais si, j'ai du requin. Viande de... On dirait une espèce de boomerang. Viande de requin cru. Bah, j'en ai eu un peu, faut croire. J'ai dû looter en le tuant, ça a dû looter tout seul. Mais est-ce qu'on pouvait looter plus après? Il n'y essaie pas. Alors qu'un tonneau passe à travers le radeau. Voilà, merci. gobelet d'eau douce. Ah, quoique la boisson, ça fait pareil, ça fait la barre qui se remplit en comme ça. Bon, faudra que je fasse gaffe la prochaine fois, je boufferai 2 trucs à la suite. Vas-y, on va bouffer le requin. On va bouffer Bob. La bonne portion. Survivez avec style. Ah non, ouais, la patate. Une patate, ça me donne la moitié de ce que j'avais eu tout à l'heure en mangeant deux. Donc ça se cumule bien.
Et salut Silence, comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes de beau? J'attends que ça vienne sur le crochet. Bon, faut que j'étudie plus. Des planches. Oh, ça peut se trouver, ça. Ah, les chaises pour s'asseoir. À combiner avec une table. Un pinceau. Ouais, bon, pour peindre. Filet de récupération, ça pourrait servir, par contre. Je vais peut-être faire des clous. Un clou. Pas trois. Ça pourrait servir à récupérer des choses. Récupérer automatiquement les objets qui... dérive vers lui. Vous avez appris le filet de récupération. Et du coup... bah, ah, du coup, ça va là-dedans, en fait. Et voilà, il faut les ingrédients à nouveau pour le craft. Ok, faut que je fasse des cordes. Sur les feuilles de palmier. Et voilà, donc ce que j'ai déjà étudié est déjà étudié. J'ai pas besoin de réétudier les trucs. Et ça en passe bien un seul à chaque fois. Bon, on va étudier tout ce qu'on a, hein. Je pense que tout est bon à apprendre. Voilà, qu'est-ce qui me manquerait? Charnière, j'en ai pas. Plume, j'en ai pas. Bon, après, ça va être des trucs que je vais pouvoir commencer à craft, d'ailleurs. Du verre. C'est le respect de Bob, je suis dépité. ça va tranquille. Alors, tu as craqué pour Raft. Bah, c'est Banner qui a craqué pour moi et qui me l'a offert. Merci encore à lui. Moult bisous. C'est d'ailleurs qu'il le stream boss en ce moment de la chaîne. Il l'a bien mérité. T'as réussi mon émote à ma place. Lul. Et oui, c'est vrai que le jeu m'intéressait pas mal depuis... depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et du coup, bah, je découvre ça ce soir. Ah, j'avais mis l'eau, mais il n'y avait pas de planche encore, d'accord. Et il a pas fini de cuire, mon requin? Comment ça se passe? J'ai des planches? Non. Il n'a pas dû finir de cuire. Ah oui, il faut du temps pour cuire le requin. Une fois des planches, j'en ai plus. Et voilà, requin cuit, je remets des planches, je remets des... Bon, j'en ai peut-être plus déjà. Alors, voyons voir si ça redonne beaucoup. Pas mal. Ça valait bien le coup de tuer Bob. Pierre d'eau douce. Je bois. Je remplis. Je remplis. Trop tôt pour récolter. On est bien là, alors que le jour se lève. Il y a un nouveau Bob. Le requin est assez long à cuire, ouais. En effet. T'y avais joué toi à Raft, Silence? Je t'avais pas vu dessus, mais peut-être que j'avais pas regardé au bon moment. Ce tonneau me semble un peu loin. Bon, après j'ai toujours ma pagaie. Et toi, voilà. Ça va, on l'a vu vite celui-là. On l'a vu limite avant même qu'il arrive. Patate. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire peut-être un petit filet de récupération. Je l'ai appris, autant en avoir un. Je le veux ici. Allez, collecte des choses. Trois heures dessus, ok. Trois heures, c'est un pirate d'eau douce. Cocor, il a un chien, mais il veut pas nous montrer. Ah bon, j'ai un chien? Depuis quand? Un marin de baignoire, de flaque. Bon, on n'en a pas bien plus, hein, nous. Alors, nous, si Silence est de flaque, nous, c'est deux...
de gouttelettes. J'avais mis de l'eau là, ok. Je vais peut-être voir pour faire les trucs d'eau avancée. Histoire qu'on passe moins de temps à... à faire de l'eau. Alors que musique émotion. Je préfère le petit stockage même s'il n'y a pas vraiment de besoin pour l'instant. Mon inventaire est pas trop plein. Mais bon, ça peut permettre d'anticiper finalement. Ah, il m'a bouffé. Il m'a bouffé ma parcelle. Salaud! Allez, l'oiseau. Ah, je l'avais pas pris. Ma petite glacière. Après, est-ce que le stockage qu'on met dedans, il est inclus quand on veut craft? Je pense pas. Hein. Je pense qu'il faut le récupérer soi-même. Ouais, là, il considère que j'ai pas de ferraille. Donc pour l'instant, tant que j'ai de la place, je vais garder. Hein. Par contre, l'oiseau, faut lui mettre un coup de lance. C'est voir si tu veux manger du KFC. Ah ouais, pas con. Depuis qu'on entend crier en fond. C'est Stanislas, ce nouveau requin. Par contre, on a rarement vu une eau aussi polluée, c'est vrai. Ah, je peux choper entre les interstices. Peut-être me refaire un crochet, hein. Est-ce que je me mets toute une batterie de filets devant? Je passerai moins de temps à faire du crochet finalement. Ça peut être un plan. Par contre, je pense pas que ça récupère les tonneaux. Ça récupère que dalle. Y a rien qui passe sur ce bloc. 100%. J'aurais disparu afin de manger des trucs. Mon radis était pas cuit. Et là, j'ai pas mis d'eau. Ça n'a pas marché. Je me suis dit, je remplis en prévision et je prends l'eau douce après, mais a priori non. Ça ne marche pas comme ça. Il est cuit mon radis? Ah ouais. Alors que la mer s'agite. La hache, je l'avais pas fait encore. Il faudrait des cordages. Alors qu'il pleut. C'est con qu'on ait pas de seau. Oui, de l'eau, de l'eau. Ah, ça remplit pas mon gobelet, nul. Inutile sur moi. Ouais, faut que je refasse un petit crochet. Y'a quelqu'un? Ah, c'est juste que je récupère du truc en fait. Du stuff. C'est que je loot.
Ah, il me fallait des cordes. Comme ça, j'aurai une hache, si jamais on trouve un arbre. La canne à pêche peut-être, oui aussi. Ça peut être un bon plan, mais j'ai déjà plus de cordes. Ah, alors qu'une île là-bas. Dommage. Je pense que c'est un peu trop tard pour pagayer. C'était plus des cordes qu'il me fallait. Et je ne vois pas de feuilles. Sur ce, je vous laisse bon stream. Bah merci d'être passé, Silence. Des bisous et à très bientôt. Oh, genre! Je l'ai pas du tout vu. Ah, si, le tonneau, ça marche a priori. À chaque fois, j'oublie qu'il faut prendre le gobelet. Donne-moi ta viande. Attends, si je vais là... Attends, canne à pêche. Je clique sur corde. Et parce que je dois pas avoir les feuilles, je pense. D'accord, mais je peux les craft d'ici en fait. Je suis pas obligé à chaque fois d'aller sur corde et ainsi de suite. Bah voilà, parfait. Voilà, comme ça. Ah mais il m'en faut deux de plus. Ah! Ah, je l'avais presque. Et là ça casse. Non mais pas la feuille. Tout ça pour ça. C'est un peu loin ça. Ah quoique, tout juste. J'aimerais faire une lance tout près. Ah, des feuilles. Ah, mais j'en ai besoin pour la lance, ok. Les patates. Je commence à avoir plein de patates, hein. C'est juste que j'ai pas le temps de les faire cuire. Oui, je pourrais rajouter un feu et les faire cuire par deux, hein. Parfait. Mais si, il va me falloir un appât. Peut-être. Ah, apparemment c'était pas comme... Ah si, macro cru. On a eu un petit poisson.
Ok. Bon, après, qu'est-ce qui va nourrir le plus entre... entre ça et des légumes, en prenant en compte le temps de cuisson, enfin de pêche, tout ça. Enfin, si, de cuisson aussi, d'ailleurs. Ça reste à démontrer. Ah, j'ai pas mis d'eau pour les plantes. Ah mince, j'avais de l'eau. Le KFC, le KFC. C'est raté. Qu'est-ce que j'ai pas craft encore? Les appâts à requins. Ah, il faut du macro et... l'un ou l'autre, ou les deux? Je crois que je vais continuer sur mes récupérateurs. Hein. Ah, par contre, ça demande tellement de cordes. Peut-être un peu cher pour ce que c'est. Mais au moins, ça permet de collecter en auto sans avoir à être en permanence devant le radeau, quoi. Alors, du coup, le macro cuit. Ouais. Pour faire des patates, c'est peut-être plus simple. Ou alors des gros poissons comme celui-là. Il va me le bouffer. Allons. Ça a tenu. Tout juste, je pense. Ah, le double tonneau, là. Sinon, qu'est-ce que j'ai à craft encore? De la brique fraîche. Peut-être mise à sécher sur votre radeau. Sable et argile, ouais. Une voile, peut-être. Je pourrais, j'ai ce qu'il faut. Une banderole permet de bien voir le sens de navigation. Ah. Pourquoi pas une voile, ouais. Comme ça, je pourrais un peu mieux me diriger. Enfin, me diriger tout court. Ah, balance vite. Moi qui bouffe tout. Ah, j'ai pas réussi à le niaquer. En tout cas, il a pas réussi à me niaquer ma bouffe non plus. A priori. On va partir sur la voile, hein, maintenant. Faudrait que je prévois un endroit pour la poser, parce que là, ça va être un petit peu léger. Au pire, j'étends encore un petit peu. Alors que j'ai un peu soif, en fait. Bah, faut que je la boive. J'ai même pas la rejeter dans la mer. Ça serait con. Je vais me faire cuire de la betterave. Et il me faut des planches, du coup, je crois. Hein. Non, des feuilles de palmier. 7. Ah bah là, pour le coup, faudra pas faire des cordes avec. Là, c'est vraiment les feuilles qu'il nous faut. Faut surtout pas en faire des cordes. Sauf si bon besoin pour refaire un outil. D'ailleurs. Ça, je vais y ranger. Oh, joli. Allez, deux feuilles, il m'en faut encore 8. Est-ce que je peux l'attaquer quand il passe comme ça? Mais est-ce que ça va pas juste l'énerver? Pour pas grand chose. Juste pour avoir... un petit steak de requin toutes les 10 minutes de jeu. Et encore. Il n'y a pas des stats quelque part. Peut-être avec un raccourci que je ne connais pas.
J'arrive pas à le planter, hein. Ça c'est possible au moins. Est-ce qu'on se serait pas foutu de ma gueule? Hein? Un tonneau. Ah, accusez pas mon radis. Tristesse. Ok, 14 sur 20. Et de 15. Et 17. Et là, on doit être bon, là. Il va falloir que je le place bien au centre, mais il va falloir que je l'étende un peu à l'avant, mon embarcation. Je vais pas la déployer tout de suite, parce que là, je le sens pas. Je vais agrandir un peu parce que j'ai peur qu'il s'enfonce quand on met trop la voile sur un côté ou une connerie du genre, c'est jamais bien bon. Ah, par contre, si lui vient me bouffer ma voile après, je serai un peu dans le cul. Je vais peut-être m'élargir et tasser un peu le matos au fond et reculer un peu la voile, je pense. Tiens, toi, viens là. Donc je vais étendre sur les côtés, ouais. Ah, alors que île droit devant. Il va falloir préparer l'ancre. Ah d'ailleurs, je la place et après j'utilise, hein. Donc ouais, on va la placer, hein. Attends, pivoter. Pourquoi je peux pas laisser rouge? Ah. Attends, là, elle est placée, là. On bouge plus. Ah merde! D'accord, moi je pensais qu'après ça s'utilisait. Et si je fais retirer, c'est perdu, je crois. Hein. Attends, pick up. Ah non, les débris ils avancent encore. Non, c'est bon, on est bon. Faut que je fasse E pour se poser, je crois. Hein. A priori. Faut faire gaffe parce qu'il y a une récupération juste à côté. Oui, là on approche de l'île. Par contre, je sais pas comment je vais monter, ça a l'air. ça a l'air un peu. Il y a l'air d'y avoir un peu une falaise hein, quand même. On va se laisser porter. En attendant, je vais boire un coup. Il faut déjà que je récolte. Mais j'ai trop de patates, je vais peut-être pas les replanter tout de suite parce que ça me fera un truc de moins à gérer, finalement. Par contre, si je percute l'île, est-ce que ça peut me faire des dégâts? Je pense à ma petite voile. Bon, je peux déjà planter et pas forcément mettre l'eau tout de suite. Mais je vais le faire. Okay, on va pas tarder à arriver. Je suis sûr d'être bien en contact. J'espère qu'on va pas juste se cracher. Voilà, là au pire on est bien contre. Ah d'accord, et après. Voilà, on est ancré. Voilà, faut l'attraper et le balancer. Et après, bah, du coup, on coupe la corde pour se détacher. C'est bon, ça tient, ça casse pas. J'entends des trucs qui craquent, ça me rassure pas. Bon, bah, on va faire un escalier. Hein. Alors, par contre, la voile va peut-être me gêner. Ça gigote étrangement, hein, ça me fait peur. Du coup, il me faut quoi? Il me faut le marteau, c'est ça. Hein. Je surveille toujours le requin. Oui, en fait, les débris ne bougent jamais, en fait. Il reste sur place. Là.
Ah bah pas un demi-escalier, on va en faire un grand. Par contre, il va me manquer des clous. Mais il me faut de la ferraille, j'en ai. Il se trouve, il y a une plage de l'autre côté. Mais dans le doute. Parfait. 1, 2, 3, ni plus ni moins. Non. Voilà. Tant pis pour le KFC. Oula. Non, c'est bon. Ah non, ça a raté. Voilà. A priori, ça devrait le faire. Ok. Je suis sur une île. Des fleurs blanches. Peut être transformé en couleur. Ah, incroyable, on va pouvoir peindre le radeau. Tout ça pour ça. J'ai une hache. Au pire, ils peuvent bouffer les récoltes, c'est pas grave. Hein. On a dit qu'on en avait trop. Par contre, il faudrait que je boive un peu. Je vais faire ça tout de suite. Ah bah, j'en avais de l'eau en fait. Puis voilà, je vais me faire cuire un truc. Ma hache. Pour avoir moult bois. J'imagine. Je coupe la base, on sait jamais. Hein. Ah, des graines de palmier. Ah, je vais pouvoir planter un palmier. Des coconuts. Et des planches. Coconuts. Voilà. Pas de description, démerde-toi. Ajouter de l'eau pour obtenir un palmier. Peut-être planté dans un grand carré de terre. D'accord. Ah, moi, comme ça, on pourra se faire un arbre de temps en temps. Ou avoir des coconuts. Des fleurs bleues. Ah, ça va être pour faire de la peinture bleue. Incroyable. Graines bleues. Ok, on peut planter des fleurs bleues. Ah, ça y est, mon inventaire va se remplir, là. Ah, c'est en train de bouffer le radeau. Ah, là, par contre, je vais jamais avoir le temps de réagir assez vite. Ouais. Faut que je fasse gaffe, hein. Tant que je suis là, je peux me faire bouffer un bout important du radeau. Au pire, je peux le renforcer, déjà. J'avais dit que j'élargissais. Ah, manque du bois. C'est juste que je viens de percuter l'île. Ok. Et salut Princesa, comment ça va? Est-ce que tu conseilles ce jeu? Ouais, c'est bien sympa pour l'instant. Là, je découvre. Pour l'instant, je ne suis pas déçu. C'est quoi? C'est des coconuts, ça? Je peux pas les ramasser? Bon, de toute façon, je vais pas retourner sur l'île, donc... Autant casser. Hein. Ah, c'est des mangues! Ah bah, voilà. On aura plus le scorbut. Graines de mangue. Tellement de choses. Et j'ai encore de la place avec tout ça? Je jette pas des trucs là. Rassurez-moi. Je sais pas où ça va, mais. J'ai pas l'impression de jeter des trucs. Attends, je vais mettre des choses dans mon stockage. Puis il faut que je revienne de temps en temps, voilà, surveiller si le requin est pas en train de me niaquer le truc. Ah, peut-être que j'explore aussi les fonds marins, mais bon, voilà, j'ai pas d'appât à requin. Ça peut être dangereux. Ah bah voilà, je commence à avoir trop de trucs et du coup ça jette des choses. Ok, donc je peux pas ramasser la patate cuite. Bah tout ce qui est colorant, vas-y, hein, dans le stockage. Les graines, les fleurs, même si je vais en ramasser d'autres finalement. Voilà, je vais stocker des choses. Je peux déjà récolter. Je vais manger quelques patates crues finalement. Hein. C'est de la bouffe rapide, puis j'ai tellement de. Ouais. Ah, c'est pas si nourrissant que ça, mais bon, j'en ai d'avance. Ou alors, il faudrait que je me fasse une cuisine, une autre cuisine en plus, quoi. Ce serait déjà plus worth-site. Ah, mais ça a pas cu... elle a pas bouilli l'eau parce que j'avais pas mis de feu. J'avais pas mis de planche.
d'accord, c'est bon. J'ai cru que ça m'attaquait. Niveau des fleurs rouges. Il y a un radeau, mais le radeau il bouge pas. Hein. Ah ouais, il est fixe. Je pourrais nager jusqu'au radeau et me faire bouffer par le requin. En même temps, je suis tombé à bon petit moment, je m'en suis sorti. Hein. Un ananas. Ah, bah là aussi. Mais tellement de planches. En fait, j'ai tellement de planches que je vais agrandir mon radeau jusqu'à l'autre, en fait. Je vais les faire fusionner. Des fleurs noires. Alors que le requin s'approche de mon radeau. Oh, c'est... non, j'ai cru qu'il allait le bouffer. Bon, je pense qu'on a pris tout ce qu'on pouvait. Je pense pas qu'on puisse casser les cailloux. Ah si, là-bas, il y a encore des trucs. Alors, je surveille, dès qu'il est loin, je fonce sur l'autre halo. Mais ça craint, je crois. Tiens, on va aller voir là. Là, je suis pas sûr de pouvoir remonter. C'est pas grave. Ah, et j'ai trop de choses, fleurs jaunes. Par contre, je peux peut-être ramasser ça. Ouais. Au cas où ça y jette, voilà. Les caisses sont là. L'ananas, c'est bon. Je vais retourner un petit coup. Déposer ce que j'ai. Non, forcément, je peux pas la bouffer. Bien, je vais en placer une déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Déjà des stacks. Voilà. Oui. J'ai pas tant de stacks que ça. Pardon? J'ai pas tant de stacks que ça. Ouais, faudra déjà un deuxième stockage, en fait. Au pire, la couleur, je peux l'acheter. Merci. Ah, je vais tomber. Ah, ça me bouffe la récupération. Tout mais pas ça. Ah oui, en plus, il y a pas du tout glitché le requin. Hein. Ok. Oui. Il y en a plein de frigos. Oui. Oui, ça fait un moment déjà. Ah bah, j'ai fait les courses. Posez là. Ouh, j'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau. La patate cuite. Ok, on va aller chercher ce qui reste et on fera une petite pause. Bah voilà. Et par contre, le radeau là-bas, c'est tentant. Mais c'est loin. Bon, on va laisser tomber, on en croisera d'autres. Là, j'ai déjà plein de trucs, il va falloir que je fasse de la place pour stocker le reste. L'escalier, on va le retirer. D'ailleurs, je sais pas comment je fais. Comment je retire ça? Afficher plus de pièces, pivoter. Réparer. Ah, alors que je commence à avoir bien soif. Tout ça? Bizarre que je regagne le temps. Remplir d'eau de mer. Comment je l'enlève cet escalier là? Il faut utiliser un autre outil pour enlever les choses? La hache peut-être? Ça pourrait être logique hein. Ok, je récupère une partie des planches et des clous. On va repartir parce que là on cumule pas de ressources, ça sert à rien de rester là. Du coup je vais retirer l'ancre. Pas de regret pour aller dans les fonds marins du coup. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui me saute aux yeux là? À part des coquillages et
Ah, il y a l'air des tubes là. Ouais, il est pas si loin que ça. Ça nage vite un requin. Allez. On se détache. Est-ce qu'on va partir forcément? Oui, j'ai l'impression. On dérive petit à petit. Non, c'est bon, on va se décoincer tout seul. On va pas partir droit, mais on va partir. Ok. Du coup, on va faire une petite pause ici. Le temps pour moi de manger. Et oui, je remange. du coup, des bisous YouTube et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y aura forcément une puisqu'on va rejouer après, je pense, un petit peu encore. On a joué combien de temps, là? Là, je suis à 135 minutes. On a fait un peu de setup où le jeu tournait pas. On a dû jouer peut-être une heure et demie, là. Je pense. Allez, du coup, des bisous. À très bientôt.